Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, on va maintenant voir comment venir télécharger les données sur OpenStreetMap. Bon, avant ça, on va voir ce que c'est qu'OpenStreetMap. C'est l'équivalent au Wikipédia de la cartographie. C'est-à-dire, c'est une cartographie qui est collaborative. Tout le monde peut venir modifier une carte s'il manque un élément ou si un élément vient juste d'apparaître, comme une nouvelle maison, par exemple. Et comme le dit l'article Wikipédia, en 2013, ils ont enregistré le millionième contributeur. Donc c'est à la fois très peu sur les 6 milliards d'êtres humains qu'on est, mais c'est également assez énorme. C'est comme si un sixième de la population française travaillait à mettre à jour des cartes sur leur temps libre. Donc deuxième avantage, OpenStreetMap est sous licence libre. Ça veut dire qu'a priori, on peut venir récupérer ces informations et venir créer les cartes que l'on veut sans avoir à citer ou à payer quelqu'un ou quelque chose. Comme QGIS, Blender et Firefox, OpenStreetMap est organisé avec une fondation, comme on avait pu voir. Et pour vous montrer rapidement l'avantage d'OSM, c'est une base de données cartographique qui est ultra développée. Dans cet exemple, ici, on va pouvoir comparer quatre cartographies. En haut à gauche, OpenStreetMap, en haut à droite Google Maps, en bas à droite IRMAP, que je ne connais pas vraiment, et en bas à gauche quelque chose d'un peu spécial qui est Géofabrique, on verra tout de suite ce que c'est. Donc ici on est à Karlsruhe, si on commence à zoomer, on voit déjà le niveau de détail qu'apporte OpenStreetMap par rapport à Google Maps, et si on continue à zoomer sur la carte, on peut voir apparaître jusqu'à un niveau de détail, jusqu'à, il n'y a peut-être pas d'exemple ici, mais jusqu'à y trouver les poubelles ou les lampadaires, que ne propose pas Google Maps, sans doute également parce que il n'en a pas forcément l'utilité, Google étant plus orienté vers les commerces et les trajets, les routes. Autre chose que je voulais vous montrer, alors je suis un peu déçu, le site que je voulais vous montrer n'existe plus, il s'appelait Live OpenStreetMap, où on pouvait voir en temps réel. Ah si, il fonctionne. Autre exemple que je voulais vous montrer, OpenStreetMap, le million de contributeurs, met à jour continuellement des éléments sur cette map, sur cette carte du monde. On en est depuis les premières secondes où je viens de lancer cette application, la minute presque. On voit que 17 utilisateurs ont apporté 2500 modifications. On va laisser tourner cette application pour voir combien on a de modifications à la fin de notre vidéo. Ok, donc si on commence, voilà à quoi ressemble OpenStreetMap. Vous le trouverez à l'adresse openstreetmap.org et on va venir se balader sur notre carte. À tout moment, si vous êtes connecté et si vous êtes sur un niveau de zoom suffisant, vous allez pouvoir venir rajouter ou supprimer un élément. Il n'y a pas vraiment de risque que des gens malveillants indiquent de mauvaises choses, puisque comme sur Wikipédia, il y a une espèce d'autocontrôle où tout le monde étant en train de mettre à jour continuellement, les fausses informations sont vite repérées. Bon, ça c'était pour les modifications. On a également un onglet d'exportation. Donc on va aller se mettre par exemple, non pas au Sri Lanka, mais à l'île Maurice. Et on va aller zoomer sur la capitale de Port-Louis, voire même juste sur le port. Quand on a défini une zone qui nous intéresse, on va venir cliquer sur Exporter. Et ici, une petite fenêtre s'affiche. Il nous indique entre autres qu'il y a plusieurs moyens de venir télécharger cette carte, soit directement ici via ce site, soit sur d'autres sites qu'on va venir voir tout à l'heure. Le cadrage a été automatiquement adapté ici. Si je bouge ma souris, je viens modifier ces informations. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Exporter. Suivant le cadrage que vous avez choisi, suivant vous avez choisi une zone plutôt large ou plutôt restreinte, le téléchargement forcément va se faire plus ou moins vite. Ici, sur une petite zone, ça a pris quelques secondes, juste le temps que j'explique ça. Et ce petit fichier .osm de 8 mégas, je vais venir le prendre et le glisser dans QGIS. Ce .osm fonctionne un peu comme les géopackages qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire il me propose de choisir quelle couche je veux effectivement importer. Ici, je vais lui dire que je veux prendre tout le monde et je vais faire OK. Il m'a du coup importé 5 couches. Je vais faire clic droit, zoomer sur la couche.
pour voir ce que j'ai. Donc j'ai mis en fond un fond XYZ d'OpenStreetMap. Je vais pouvoir d'ailleurs désactiver. Et voilà ce que j'ai. Alors, c'est pas encore très joli, c'est pas encore mis en forme, mais on va voir déjà ce qu'on a. Déjà, là, les points sont en dessous, je vais les remettre en haut pour garder un peu le système surface ligne point dans cet ordre. Ok, ben voilà, il m'a téléchargé la zone que j'avais avec des points qui correspondent à plein de choses, des croisements de route, des bâtiments, des lampadaires, des arrêts de bus, etc. Dans les polygones, j'ai un peu pêle-mêle des parkings, des appartements, des commerces, des hôpitaux. Alors, arrêtons-nous quelques secondes sur cette couche de polygones, juste pour vous montrer quelque chose. Alors, voilà toutes les données qu'on a, et encore, il en reste un petit peu, voilà, ici sur le côté. Chacune de ces données a un ID unique, un identifiant, qui nous permet de le retrouver dans OpenStreetMap. Par contre, on voit, si on en choisit une au hasard, que toutes les données ne sont pas forcément remplies. Alors, elles ne sont pas forcément remplies, vous voyez, c'est écrit nul. Elles ne sont pas forcément remplies, premièrement, parce que peut-être elles n'ont pas lieu d'être remplies. Par exemple, cette entité-là, c'est un parking, donc il n'y a rien à écrire dans bâtiment, ni dans historique, ce n'est pas un parking historique. Voilà. Mais elles peuvent être aussi pas forcément remplies, parce que les contributeurs n'ont pas encore eu le temps ou pris le temps de les remplir. On verra donc précisément dans une prochaine vidéo comment mettre à jour cette base de données OpenStreetMap et à notre tour devenir contributeur pour faire grandir cette base de cartographie libre. Ok, là c'était bien, j'ai téléchargé un tout petit cadrage. Si je retourne sur le site d'OpenStreetMap et que je lui demande de télécharger maintenant toute l'île, eh bien, il m'indique ici que la zone de téléchargement est trop vaste. Trop vaste, c'est-à-dire que même si le fichier n'est pas si énorme, on va avoir du mal à passer par cette interface web pour tout télécharger d'un coup. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais rassurez-vous, il existe une solution. On va la trouver par ici. On va aller voir ce qui se passe du côté de Géofabrique. Géofabrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un site qui répertorie tous les archivages d'OpenStreetMap sur le monde entier. C'est ce qu'on appelle techniquement un dump. C'est quand on vient vider une base de données pour l'archiver quelque part. Donc, je ne sais plus exactement à quelle régularité ils vident ces bases de données, mais ils le font assez fréquemment. Donc, par exemple, si on retourne sur notre exemple de Maurice, il va falloir qu'on navigue, c'est le cas de le dire, jusqu'à l'île. Donc, on va aller chercher ici, dans ce petit menu, l'Afrique. D'ailleurs, on pourrait déjà ici télécharger toute l'Afrique. Il y en aurait pour 4 gigas d'informations. On va pas faire ça. Une fois en Afrique, on va descendre, non pas en Mauritanie, mais à Mauritius. Et une fois à Mauritius, on n'a plus qu'à télécharger ce fichier qui pèse une dizaine de mégas. Une fois décompressé, voilà ce qu'on obtient. Eh ben, c'est un peu le bazar. On a plein de shapefiles. On peut retrouver facilement en classant les fichiers par type. Et tous ces shapefiles, je vais pouvoir les glisser dans QGIS. Juste pour vous montrer que ici, on est bien venu télécharger toutes les informations que contient OpenStreetMap sur l'île Maurice. Alors, c'est bien. Mais vous voyez, par exemple, la mise en forme est pas très satisfaisante. On a une espèce de couleur de violet, toutes les routes sont du même orange, plein de petits points qui sont représentés par des cercles. Mais on verra dans un épisode sur la symbologie comment venir régler tout ça. C'est assez long et fastidieux. On va voir qu'il y a également d'autres moyens de faire ça plus rapidement. Mais avant, je voudrais vous montrer un petit plugin qui est intégré à l'interface de QGIS qui nous permet de faire quasiment la même chose sans passer par une interface web. Donc, je vais venir déjà supprimer tout ce que je viens de télécharger et je vais aller dans Extensions
installer et gérer les extensions. Les extensions, ce sont donc des plugins. Je vais aller dans l'onglet « Toutes » ou « Non installées » d'ailleurs. Je vais plutôt me mettre en « Toutes » et je vais taper « OSM ». Ici, QGIS m'indique toutes les extensions, tous les plugins qui contiennent le mot « OSM ». Alors, on trouvera des choses qui n'ont à peu près rien à voir, mais on trouvera deux extensions qui vont ici nous intéresser, « Quick OSM » et « OSM Downloader ». On va commencer par « Quick OSM ». Donc, pour installer cette extension, moi, je l'ai déjà installée, mais vous cliquerez sur « Installer le plugin », ici. Et normalement, une fois installé, il s'auto-activera. Si ce n'est pas le cas, on vient cocher cette petite case pour activer et charger au démarrage de QGIS. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Un nouveau logo est apparu. Tiens, et juste avant de le lancer, je vais me repositionner sur l'île Maurice, voire même plutôt sur le port de Port-Louis. Un cadrage assez resserré pour éviter de télécharger trop de données d'un coup. Et je vais cliquer sur le logo de Quick OSM. Alors, c'est un peu moins user-friendly. L'intérêt de ce plugin, c'est qu'il permet de ne pas télécharger toute la base de données d'OpenStreetMap. Déjà parce qu'on va commencer par télécharger un cadrage. Donc ici, le dernier paramètre, soit on y indique une ville, soit on lui indique le cadrage de ma fenêtre. Plutôt faire ça. Puis, si j'exécute cette requête à partir d'ici, il va venir tout me télécharger. Mais l'intérêt de ce plugin, c'est que je vais pouvoir commencer à filtrer ce qui m'intéresse. Donc, par exemple, dans le premier paramètre clé, je vais choisir que les bâtiments. Et je peux affiner un peu cette recherche. Je peux lui dire de ne télécharger que les bâtiments qui sont d'ordre commercial. Ou ferme, hôtel, maison, industrie, appartement, etc. Donc là, je vais lui demander de télécharger, par exemple, que les commerces. Une fois que j'ai fait ça, j'ai quasi fini. Soit j'exécute la requête et il va me télécharger ce que j'ai demandé, soit je lui demande de me montrer la requête. Ça, c'est juste pour éventuellement voir à quoi ressemble une requête. Ici, une requête XML, sans doute. Voilà, pas très intéressant. Deux petites choses quand même. Si vous voulez affiner cette requête, vous avez la possibilité soit de le faire sur le site web d'Overpass Turbo, soit de consulter toute la documentation et la nomenclature d'OpenStreetMap. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais OpenStreetMap a une organisation spécifique qu'il convient de respecter. On ne va pas venir ranger les bâtiments dans la catégorie des lampadaires, par exemple. Une fois que ma requête est définie, j'ai plus qu'à l'exécuter et attendre le téléchargement. Je peux fermer cette fenêtre. Et voilà le résultat de ma requête. Donc, je n'ai pas beaucoup de bâtiments, c'était un peu le but. Voilà, j'ai quand même 69 polygones et 1 point. Bon, j'ai également oublié de vous montrer, mais ce plugin permet d'ouvrir directement un fichier OSM, comme celui qu'on a téléchargé tout à l'heure. Je vais aller le rechercher. Avec la possibilité de ne charger que les points, les lignes, les multilignes ou les polygones. Donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt, que maintenant QGIS arrive à ouvrir les fichiers OSM directement, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Voilà, on peut essayer. Voilà, on a bien ce qu'on avait précédemment, ni plus, ni moins. Ni mieux, ni moins bien. Alors voilà, comme je vous disais, ça c'est pas mal, on a déjà beaucoup d'informations, mais au niveau de la mise en forme, eh ben, on est loin de retrouver quelque chose comme qu'on avait sur le site de OSM, une carte propre, bien mise en couleur et bien nomenclaturée. Eh ben, c'est là qu'intervient un deuxième plugin intéressant, je vais resupprimer voilà, ce que je viens de télécharger, m'assurer que je suis bien toujours... Je n'ai pas bougé, je suis bien toujours sur le centre-ville de Port-Louis. Et je vais retourner dans mes extensions, installer et gérer les extensions. Et cette fois-ci, installer le plugin OSM Downloader. Vous cliquez ici, moi je ne vais pas le réinstaller, je viens de l'installer. Et je vais l'activer.
Ce deuxième plugin se trouve ici et il n'a qu'un seul bouton qu'on va s'empresser de cliquer et de définir une zone. Alors je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu, voilà, encore une fois pour limiter le temps de téléchargement, et je vais choisir cette zone-là. Il me propose un cadrage qu'il a tout seul converti, de définir un répertoire de sauvegarde, et il me laisse la possibilité de charger directement le résultat une fois les données téléchargées. Donc je vais cliquer sur cette option-là, c'est pratique, et je vais faire OK. Ici, je vois toutes les données qui téléchargent, il en est à 15 mégas, et bingo, j'ai dû relancer la requête. J'ai eu un petit souci, mais c'est pas bien grave. Maintenant, si je retire le fond OpenStreetMap qui vient de ma couche XYZ, j'ai maintenant un aperçu de ma carte OpenStreetMap, mais en vectoriel. Et surtout, comme je le disais, bien mis en forme. En vectoriel, ça veut dire que je vais pouvoir venir récupérer, par exemple, la couche des bâtiments, si je la trouve dans mon organisateur de couches. Voilà, ma couche de bâtiment, elle est ici. Je peux l'activer ou la désactiver, ou plutôt l'inverse. Et je peux faire toutes les opérations de vecteur ou modifier un bâtiment comme si c'était une couche vectorielle. Alors, je ne peux pas vraiment le faire directement parce que si on regarde bien ce qu'on a là, on est sur un fichier OSM qu'on ne peut pas directement modifier, mais ce n'est pas bien grave. On va venir choisir cette couche et la réexporter. Par exemple, en GeoPackage, ici, je vais lui donner un nom, Polygon ou Buildings. Et je vais m'assurer d'avoir bien coché Ajouter à la carte, une fois sauvegardé. Une fois sauvegardé, j'obtiens ça, un fichier tout bleu sans mise en forme, comme ce qu'on avait ajouté avant. Et sans trop spoiler la suite des vidéos, on va juste faire clic droit sur cette couche, style, copier le style, toutes les catégories. Resélectionner notre couche des buildings, faire clic droit, style, coller le style, toutes les catégories. Si maintenant je cache ma couche originale, j'ai maintenant une couche des buildings que je peux mettre en mode édition et venir modifier si j'en ai envie. Voilà, maintenant qu'on a récupéré pas mal de données sur OpenStreetMap comme sur ailleurs, eh bien, il est temps pour nous de se pencher sur ce qu'on appelle la symbologie. C'est un gros mot qui veut simplement dire qu'on va mettre en forme toutes les données, à l'image de cette belle carte OpenStreetMap qu'on vient de télécharger, mettre en forme ces données qu'on a téléchargées, et on verra que ce soit pour les points, les lignes et les surfaces, il existe au moins 3 ou 4 grands types de formatage, soit le formatage ponctuel, qui n'a rien à voir avec les points, ou plutôt unique, le formatage par catégorie et le formatage gradué.